Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Bac S, session Métropole, septembre 2017, exercice 4 pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité. Partie A. Dans l'espace rapporté à repère orthonormé, OIJK, on considère les points A de coordonnées 1, 5, moins 2, B de coordonnées 7, moins 1, 3, et C de coordonnées moins 2, 7, moins 2. Et on note P, le plan ABC. On cherche une équation cartésienne du plan P sous la forme AX plus BY plus CZ est égal à 73, où A, B et C sont des nombres réels. On note X et Y, les matrices colonnes, X égale à ABC et Y égale à 1, 1, 1. Question 1. Montrer que X vérifie la relation M fois X égale à 73 fois Y, où M est la matrice, M est égal à 1, 5, moins 2, 7, moins 1, 3, moins 2, 7, moins 2. Question 2. Soit N la matrice, N est égal à 19, 4, moins 13, moins 8, 6, 17, moins 47, 17, 36. A l'aide d'une calculatrice, on a calculé les produits M fois N et N fois M, et on a obtenu les copies d'écran suivantes. A l'aide de ces informations, justifiez que la matrice M est inversible et exprimez sa matrice inverse, M moins 1, en fonction de la matrice N. Question 3, montrez alors que X est égal à N fois Y. En déduire que le plan P admet pour équation cartésienne 10X plus 15Y plus 6Z est égal à 73. Exercice 4 de spécialité partie A. Donc, on a donc 3 points dans un repère orthonormé. Dans notre P, le plan ABC, on cherche l'équation cartésienne du plan P sous la forme AX plus BY plus CZ égale à 73, où A et B, C sont des nombres réels. Alors, ici, A appartient à BC. Donc ici, on aura A plus 5B moins 2, C est égal à 73. B appartient à BC, on aura 7A moins B plus 3C égale à 73. Et B et C appartient à BC. Ici, moins 2A plus 7B moins 2C égale à 73. Or, ici, c'est comme si on faisait multiplication de vecteur ABC égale à 73Y, donc Y ça va être 1, 1, 1. 73. Et donc la matrice, ça va être 1, 5, moins 2, 7, moins 1, 3, moins 2, 7 et moins 2. 1, 5, moins 2, 7, moins 1, 3, moins 2, 7 et moins 2. Si on fait la multiplication matricielle, on retrouve bien ce système d'équations. Donc là, on a la matrice N, et pour M fois N, on a cette matrice, 73, 73, 73, et pour N fois N, c'est 73, 73, 73. Donc ici, on a presque la matrice identité, et en fait, on a M fois N est égal à 73 fois I3. Donc I3, c'est la matrice identité 3 fois 3, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pareil pour N fois M, égal à 73 I3. Alors, justifier que M est inversible. Alors ici, on ne sait pas tout de suite que M est inversible, parce qu'on dit que M est inversible s'il existe une matrice M moins 1 telle que M fois M moins 1 est égal à I3. Donc ici, on est en 3 fois 3, donc c'est plutôt I3. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut divisé par 73 de chaque côté. Si c'est un nombre, c'est un scalaire, donc on va pouvoir dire que 1 sur 73 fois m fois n égale à i3. 73 sur 73, ça fait 1. 1 sur 73 fois n fois m égale à i3. Alors ici, on peut changer la place scalaire. Donc m fois 1 sur 73 n, 1 sur 73 fois n fois m. Donc on va poser
n prime est égal à 1 sur 73 fois m fois n. Et on a bien m prime égal à i3 et n prime fois m est égal à i3. Ainsi, m est matrice inversible et m moins 1, donc m moins 1 est égal à 1 sur 73 n fois n. Donc ici, on reprend l'équation précédente. Mx est égal à 73 fois y. Mx est égal à 73 fois y. Donc ici, on va mettre m moins 1. On va composer m moins 1 à gauche. 73 m moins 1 y. Or, m moins 1, c'est 73 1 sur 73 n y. Ici, m moins 1 fois m, c'est i. X est égal à 73 sur 73 1 ny. Donc P a pour équation cartésienne, donc x et abc est égal à, donc n, on va reprendre, donc 19 4 moins 13 moins 8 6 17 moins 47 17 36 fois, donc y 1 1 1. Donc ainsi, a est égal à 19 plus 4 moins 13, b est égal à moins 8 plus 6 plus 17, et c est égal à moins 47 plus 17 plus 36. Alors petit calcul, 10 est égal à 10, 15, et moins 47 plus 17 ça fait moins 30 plus 36 ça va faire 6. Ainsi, P a pour équation cartésienne 10x plus 15y plus 6z égale à 73.